Est-ce que vous savez qu'il y a des maladies qu'il ne faut jamais accepter dans votre vie, même si le docteur déclare cela? Si le docteur vous dit, voici, vous avez telle maladie, dans le monde surnaturel, dans le monde spirituel, c'est ce que tu acceptes qui va s'installer. Donc, si un docteur vous dit, vous êtes diabétique, c'est à vous de rejeter. Si un docteur dit, vous avez le cancer, c'est à vous de rejeter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Le docteur n'est pas Dieu, le docteur n'est pas celui qui vous a créé. C'est pas Dieu qui a parlé. Donc, la connaissance est qu'il y a des choses qu'on rejette, il y a des choses qu'on ne prend pas. C'est ça en fait. Parce que quand vous prenez, quand vous acceptez, c'est là, dans le monde, dans le surnaturel, dans le spirituel, c'est là que ça va s'installer au fait. La chose n'est pas là. On appelle à l'existence ce qui n'existe pas à l'existence. C'est aussi possible dans le sens négatif. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Faites attention.